êtes là aujourd'hui et que vous vous demandez pourquoi vous êtes là, vous dites que vous aviez autre chose à faire, que ça ne ressemble pas à un cours conventionnel. Qu'est-ce que vous allez apprendre ici? Et est-ce que vous n'avez pas autre chose de plus important à faire? Et justement, cette convention citoyenne étudiante, elle est là pour vous. Quand j'ai accepté de participer à la convention citoyenne pour le climat, c'était vraiment pour apporter ma voix de citoyen. On me donnait enfin l'opportunité de m'écouter directement. Ce n'était plus une élection avec quelque chose de laborieux, quelque chose de nébuleux, quelque chose de vague, où je donnais ma voix et en plus on en faisait ce qu'on voulait. Là, vraiment, on avait la possibilité de m'écouter. Je me pose moi une question à laquelle je n'ai pas la réponse, c'est comment d'un commun en faire un bien commun sans anéantir le vivant, ou au moins sans le dévaster. On assiste à une extension des communs, et ce, dans deux directions. On assiste à une extension des communautés et à une extension des ressources concernées. Parce qu'on est un peu contraint, je vais vous donner deux exemples rapides de ce à quoi on réfléchit. Vous en aurez d'autres au cours de ces journées, et vous pourrez poser un certain nombre de questions aussi. Étant donné l'urgence environnementale, étant donné la crise de représentation démocratique, étant donné aussi l'urgence d'avancer sur les questions de diversité, de discrimination, que ce soit de genre, racial, etc., il me semblait assez absurde de continuer à donner des cours théoriques alors que j'étais face à des étudiants et des étudiantes qui finalement, selon moi, ça valait le coup d'expérimenter et d'être vraiment dans la pratique et d'apprendre par le faire. Et puis surtout de les sortir de cette posture de l'étudiant, de l'étudiante passif, qui n'en pense pas moins, mais qui n'est pas mise dans les bonnes conditions pour s'exprimer, pour agir, pour s'écouter et pour faire le lien. En fait, j'étais tout le temps en train de d'exprimer l'injonction, mais faites le lien entre ce que vous lisez, ce que je vous dis, et puis l'actualité, vos actions, votre manière de débattre, votre manière de vous engager. Mais en fait, au lieu de leur dire théoriquement, de manière abstraite, et en fait, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne le fais pas? Les questions environnementales, je les vis très souvent comme très clivantes, même très clivées, même en moi. C'est-à-dire que d'un côté, c'est enthousiasmant, parce que même, on découvre plein de choses sur le fonctionnement de la planète, du vivant, on découvre plein d'initiatives vraiment très, très inspirantes. Et puis de l'autre, on se rend compte que la situation est grave, qu'elles sont loin d'être mises en œuvre, qu'il y a beaucoup de blocages politiques, sociaux, économiques. Et donc je me suis dit, ça va être l'occasion de faire quelque chose où on va pouvoir agir. Parce qu'on a une bonne échelle, c'est l'université, on va passer par des dispositifs délibératifs qui sont justement pensés pour permettre l'intelligence collective. Et puis, en réalité, on en a retrouvé du clivage à l'intérieur, parce que forcément, voilà. Mais c'était, en fait, voilà, c'est ça, c'est de rendre le clivage, de le rendre constructif. C'est pas d'en être déprimé, tout seul, dans son coin, c'est de le rendre constructif, collectivement. Et ça, c'était, je pense, ma motivation initiale, et ça le reste. Dans le domaine de la nutrition, on sait que les comportements ne dépendent pas seulement des personnes elles-mêmes, mais aussi beaucoup de l'environnement alimentaire ou de l'environnement, disons, politique. Et donc, pour changer les choses de façon efficace, pérenne, et puis surtout dans une idée de justice sociale, quoi, on sait qu'il faut mettre en place des interventions multiples, complexes, qui font intervenir différents acteurs. Et donc ce modèle de convention citoyenne étudiante, ça nous a semblé vraiment pertinent pour réunir différents acteurs qui ont parfois des points de vue divergents, des opinions divergentes, des intérêts divergents. Et donc de les réunir et de les faire délibérer et trouver vraiment un consensus parmi toutes les propositions possibles qu'on pourrait faire. Au moment où je suis arrivée, parce que moi je viens de l'étranger, et au moment où je suis arrivée en France pour mes études supérieures, j'aurais aimé, je pense, avoir ce genre de dispositif pour mieux connaître ne serait-ce que mieux se connaître entre étudiants, mais également aussi mieux connaître l'université, ce que l'université propose, et pouvoir donner aussi mon avis.
de se réapproprier ces thèmes-là et se dire, bah oui, moi aussi, je veux prendre ma part dans la transition écologique. C'est pas quelque chose qui va se faire sans moi. Même si je suis qu'une petite goutte, eh ben, on est quand même tous ensemble et il faut commencer, voilà. Est-ce que vous commencez déjà à remarquer d'où viennent ces images? Est-ce que vous remarquerez quelles sont les présuppositions que vous aviez pour imaginer ça? Est-ce que le monde capitaliste va toujours exister? Est-ce qu'on sera toujours dans une démocratie libérale? Est-ce qu'il aura toujours le travail comme le centre d'organisation de la société? On va maintenant changer un peu de registre, parce que là, on va parler des futurs désirables, des futurs souhaitables. Je vous ai dit, il n'avait pas des limites. Tous ceux que vous imaginez, que vous voulez vraiment qu'ils arrivent, on va écouter maintenant dans vos images du futur. Voilà. Bah, moi j'ai l'impression qu'on est plutôt technosolutionniste parce que par exemple on rêve d'une énergie électrique infinie, on rêve de voitures volantes, de téléportation, médicaments pour chaque maladie. Médicaments pour chaque maladie. Donc ça c'est vraiment se sauver par le progrès technique et scientifique. Définir le désirable. Cela varie des personnes, mais aussi des cultures, des lieux où l'on est né. Comme on l'avait dit précédemment, on n'a pas la même vision forcément du désirable ou du futur selon que l'on soit au Brésil. On va pas essayer de se donner des excuses pour ne pas désirer des choses. Est-ce qu'on a le droit d'espérer? Est-ce qu'on a le droit de penser en scénario vraiment? Je dis, à cela, je veux adhérer à ce monde-là, à cette ville-là. Donc, c'est justement ce qu'on essaie de faire ici. En élargissant notre capacité d'imagination, on va se dire, pourquoi pas? Ai-je droit, c'est mon imagination? C'est que chaque individu, en effet, il est différent. Les images dépendent de sa culture, dépendent de l'époque, dépendent de diverses raisons. Je dirais tout simplement, le futur désirable, c'est un futur où l'humain retrouve sa place, une place de dignité. Où l'humain est au centre de tous les projets, à la fois des gouvernants et à la fois de la société dans son ensemble. Ça dit un. Madame? Oui, allô? Attends, je te rappelle, j'ai quelqu'un à ma porte. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Tous mes camarades de promo ont reçu leur revue de notes et moi, je ne les ai pas eues et ils m'ont donné. Deux minutes, s'il vous plaît. En fait, l'idée juste du TED Forum, c'est de mesurer la difficulté qu'il y a à être sujet. Droit administratif, bah, c'est marqué défaillant. Pour moi, j'ai pas ta note. Et là, je fais comment? Je dois constituer mon dossier dans une semaine? Bah, je sais pas quoi vous dire. Hein. C'est tout ce que vous avez à me dire. Je n'ai pas de note pour toi, donc peut-être que le prof ne me l'a pas donné ou quoi, mais je peux rien te dire. C'est possible que ma copie a été égarée quelque part à la fac. Je ne sais pas encore une fois, donc voilà. Et cet espace qu'on vous propose, en fait, c'est comme une antichambre, c'est-à-dire un espace où on va pouvoir simuler. Simuler ce que ça ferait si je faisais ça autrement. Mais bien entendu, ça nécessite de tester nos solutions ici, ce qui est une forme d'engagement. On veut voir ce que ça donne si Pauline était déterminée. Hein? Et que je fasse Pauline? Ah bah oui, on veut de la détermination. Ah bah oui. Alors, Pauline? Il va falloir qu'on voit avec le professeur parce que pour vous, sur mon ordinateur, je n'ai rien. Donc, il faut voir avec le professeur et... Et voir si vous avez bien passé le partiel. Ouais, la feuille d'émargement est signée, vous pouvez vérifier. Là, je suis pas dans... Tu peux... Il me reste des dossiers à traiter, donc je peux aller voir dans... Ouais, il m'a ramené le document, mais... Toujours pas... Non, hein. Et donc, quelle est la procédure à suivre? Voyez avec le professeur, parce que là, pour le moment, je peux rien pour vous poser. Sinon, il faut aller au syndicat étudiant. Ouais. Et je check, parce que voilà, il y a une nouvelle proposition qui se fait. Mmh. Ça ne me paraît pas être une piste? Ah, super. Comme vous le savez, la deadline de mon master, c'est dans une semaine. Notamment, il y a une étudiante qui est dans votre cours, monsieur Pauline, qui dit être allée au partiel et pourtant elle ne trouve pas sa note. Et du coup, il faudrait... Ouais, c'est le cas.
Elle est venue me voir il y a quelques jours. Je sais pas comment j'aurais pu oublier sa note, c'était l'une des meilleures de toute la promo. Ah et ouais, je suis persuadé de vous l'avoir envoyée. Vous connaissez tous vos étudiants, monsieur. Ah bah oui, je suis un bon prof. Ah oui, c'est bizarre en tout cas. Seulement, il s'agirait que vous connaissiez vos dossiers de la même manière. Excusez-moi, je sais que c'est compliqué et que l'université n'a pas assez de budget et que ça empêche tout le monde de vivre tranquillement dans son travail, dans ses études, mais puisque vous avez la note et que vous êtes là, est-ce que ce serait pas possible de communiquer la note à madame pour que Pauline puisse monter sur le dossier ? Puisqu'elle l'a déjà été, si elle peut pas lire d'une ligne à l'autre, je suis sûr. Vous l'avez là ou pas sur vous ? Bah non, je voulais Je ne l'ai pas non plus, mais si vous... Et c'est pas une aberration que ce soit l'université qui fasse ça, parce que l'université, avec ses qualités et ses défauts, en fait, depuis le Moyen-Âge, c'est un lieu qui a pensé le lien, en fait, entre sa singularité, qui est de construire des savoirs et des compétences, et son fonctionnement. C'est-à-dire qu'on dit, par exemple, que les anciens chercheurs ne sont pas des salariés de l'université, ils sont l'université, en fait. Et donc, ils construisent un mode de délibération, et ça pourrait être un des lieux où se pense... une façon d'articuler savoir, délibération et action sociale dans un rapport, certes, à la professionnalisation, mais pas totale. C'est-à-dire où il y a... ça pourrait être un espace où se construisent ces choses-là. L'université a un rôle d'innovation sociale. Enfin, ça, moi, j'en suis persuadée. Et je pense que c'est bien, oui. Enfin, ces expérimentations qui se mènent, ça permet en effet de remontrer ce rôle-là de l'université. Et d'émancipation aussi, des étudiants. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est très centré sur le fait de leur apprendre un métier, ce qui est très important en effet, parce qu'il faut bien qu'ils soient adaptés, disons, au monde du travail. Mais il y a aussi un rôle d'émancipation et de savoir, en fait. Même si ça ne nous apprend pas à faire un métier, c'est important en tant que développement de la jeunesse, quoi. Bah, le réseau des universités délibérantes s'est constitué à partir de premières introductions de délibération à l'université, dans notre université, à l'UPEC, à partir de 2020-2021, à l'université de Lausanne et à l'université de Nantes, enfin Nantes Université. Et donc, à partir du moment où nous avons été trois universités à introduire la délibération, et que nous avons pris conscience que nous devenions des modèles pour d'autres universités, l'idée du réseau a émergé. Aujourd'hui, l'hypothèse qu'on a prise, c'est, on a renseigné dans le tableau, c'est de réduire de 20% les dépenses d'achat neuf d'ici 6 ans. Voilà, je trouve que c'est extrêmement riche et important de pouvoir se structurer en réseau pour pouvoir essaimer ce type de démarche qui me semble aujourd'hui essentielle, parce que vraiment le nœud du problème, c'est les questions, je pense, d'acceptabilité des mesures. On va devoir transformer, ça va impacter l'ensemble des agents et le quotidien des agents, et donc il faut proposer des démarches participatives, des démarches délibératives. Et donc à l'IRD, certes, on n'est pas une université, on n'a pas de population étudiante dans nos collectifs, mais pour autant, on se rend compte que la démarche, elle est similaire, et c'est extrêmement riche et intéressant de pouvoir partager ce que l'on fait, ce qui n'a pas marché, ce qui a fonctionné, et de pouvoir contribuer un peu à cette réflexion collective que l'on porte à l'échelle de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est vrai que malheureusement, c'est ça, moi, ma réflexion de base, c'était juste comment, en fait, le chercheur, il peut aussi se positionner sur des objectifs chiffrés et avoir une réflexion un peu sur son activité et sur la portée de l'article. L'idée, en fait, ce serait d'avoir une façon que ce soit référencé pour des recherches de l'ensemble de la connaissance produite, par exemple, pour répondre à tel ODD. Ça, c'est l'évolution du métier de chercheur, tu vois. C'est aussi de se dire que finalement, face à l'urgence sociale et écologique, surtout à l'IRD, quand on travaille dans les pays du Sud, c'est quand même une recherche qui a plutôt une vocation à être appliquée et un peu moins fondamentale qu'à certains endroits. Et du coup, finalement, avoir en tout cas cet indicateur-là, ça permet de donner une perspective autre au travail que juste... un référencement d'un article.
que ça soit plus que du quantitatif, que ça soit vraiment du quali, hein, parce que c'est... Parce qu'après, le DDR, c'est de valoriser ça aussi. C'est-à-dire que sur le CV, par exemple, le chercheur, il pourra mettre bon, ben voilà, j'ai travaillé sur tel objectif du développement durable, le DD13, le DD12. C'est un moyen d'essayer de contrer la tendance globale. Publie sur Parrish, mais c'est vrai que c'est pas le levier le plus efficace. Hein. C'est pas l'unique solution. Mais, Parce que comme on disait tout à l'heure, pour moi, le réseau, c'est partage d'outils aussi. Ouais. Donc, tu vois, typiquement, là, tu fais remonter, en fait, un outil qui a bien marché ici. Bon, tu auras la confirmation d'ici quelques jours et qui peut être mis à disposition d'autres dispositifs, d'autres universités. Tout à fait. Regardez déjà. Ah oui, mais c'est pas 54% d'adhésion. C'est 54. Ouais. 54, donc celle-ci, elle est... Donc elle, c'est la plus tangente pour l'instant, j'ai la sensation. Ok, on va passer à la prochaine. Du coup... C'est promouvoir l'engagement des agents IRD dans des initiatives environnementales et sociales, associatives et ou professionnelles. Du coup... 90% d'adhésion. Voilà, parfait. Merci, Émilie. Ensuite, l'objectif M5, réduire les impacts environnementaux des projets de recherche. 95%. Bravo. Nous, on est convaincus que les processus démocratiques, ils doivent être complétés par ces moments, qu'il se passe quelque chose. Donc bon, là, je ne vais pas vous sonder là-dessus, mais demandez-vous, est-ce que vous envisagez votre rapport à la démocratie, à la citoyenneté, au collectif de la même manière? Est-ce que ça a changé quelque chose? Bonjour. Il y a déjà des institutions pour... prendre des décisions à l'université, hein. Les questions politiques sont abordées. Mais nous, notre idée, c'était justement déjà d'élargir la base des personnes qui pourraient prendre la parole. Donc nous, on voulait que tout le monde soit légitime et envie de participer, à la fois, politiquement, parce que ça nous semble de bonne valeur, mais aussi... parce qu'il semble que c'est plus efficace, hein, tout simplement. Parce qu'on intègre dans la discussion des arguments qui peut-être nous échapperaient, parce que ça crée plus d'adhésion. La délibération, c'est quelque chose de très simple. C'est un échange d'arguments et de justifications entre égaux, a priori, dans le but de prendre une décision commune sur le bien commun. La supériorité de ce mode de prise de décision, selon moi, par rapport aux assemblées élues notamment, c'est justement cette plus grande diversité d'informations, de perspectives qui sont prises en compte. Et un autre aspect intrinsèque qui m'a vraiment, vraiment beaucoup frappée, mais ce n'est pas du tout quelque chose que j'avais en tête théoriquement en y allant, mais c'est le lien émotionnel profond que ça crée entre les gens, cette délibération. Et je pense que c'est parce qu'elle n'est pas... abîmée par l'aspect partisan des échanges qu'on a dans des arènes politiques où les gens arrivent sur la base d'une affinité partisane. Et comme ils sont unis par ce but commun qui est de découvrir une solution à un problème commun, et moi ce que j'ai vu c'est de l'amour. C'est un grand mot, mais c'est vraiment ce que j'ai vu. Et j'ai l'impression que nos sociétés ont énormément besoin d'amour, que donc ces assemblées délibératives tirées au sort, c'est un des rares espaces où, entre gens qui ne se connaissent pas, qui ont des horizons complètement différents, on peut faire émerger un lien comme ça très fort, qui j'espère peut s'étendre ensuite et repoudre le lien social un peu défait de nos sociétés modernes. Alors Hélène parlait d'amour entre nous, bon, pas que non plus. C'était pas toujours si simple que ça, mais c'est vrai que la richesse de cet exercice, c'est de pouvoir faire travailler un agent de sécurité des quartiers nord de Marseille avec un chirurgien, avec un pilote d'avion, avec un agent de la fonction publique territoriale, avec un artiste, sur des sujets sur lesquels on n'a jamais demandé leur avis.
Et donc là, ils ont la possibilité, l'opportunité de s'exprimer. Et finalement, ce respect d'écoute et d'attention des uns et des autres, elle est aussi là grâce aux équipes d'animation qui font en sorte que chacun puisse, à un moment donné, s'exprimer et vraiment donner son avis. Je le dis d'autant plus facilement que moi, je rentre dans la catégorie des gens non diplômés. Donc quand on arrive sur ce genre d'exercice, qu'on a en face de soi, comme je disais, des pilotes, des chirurgiens, des chefs d'entreprise, on ne se sent pas forcément très légitime pour porter un avis. Mais les méthodes d'animation font que notre avis, si on ne le porte pas nous-mêmes, d'autres vont l'amener et vont le porter. Et puis au bout d'un moment, on se dit, tiens, finalement, les gens réagissent plutôt pas mal à ce que je vais proposer. La prochaine fois, je le propose moi-même. Et on prend comme ça, au fur et à mesure, un peu de confiance et on fait valoir ses propres idées. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Les méthodes d'animation permettent justement à chacun de s'exprimer et de donner son avis. Et c'est uniquement comme ça qu'on arrive à construire un projet qui a du sens. En fait, entre les manières de... Enfin, entre ce qu'on pense, la façon dont on le dit, la façon dont on l'exprime, la façon dont c'est entendu par les autres, la façon dont c'est compris, analysé, la façon dont on répond, il y a énormément de manières de mal se comprendre ou de passer à côté. Et ce que je crois enthousiasmant, c'est que c'est une démarche qui cible justement ce problème pour mieux créer une discussion et mieux créer... Enfin, c'est presque de manière plus générale, genre comment réussir à mieux se parler et mieux se comprendre. En fait, moi, je vois ce projet, cette intelligence collective, un peu comme une anti-intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, ça donne du pouvoir, ça donne de l'efficacité, c'est parfois très bien, voilà. Mais c'est de la délégation, c'est-à-dire qu'on va déléguer un algorithme qui fonctionne hyper bien, qui va nous donner des résultats, etc. Alors que l'intelligence collective, peut-être que c'est plus compliqué, ça va prendre plus de temps, mais en fait, on va quand même s'approprier les choses et on va pouvoir les construire collectivement. Et je pense qu'au final, c'est plus efficace pour ces questions-là. Alors, je sais que la philosophie distingue pouvoir et puissance. Je ne suis pas sûr exactement de... Enfin, il y a plusieurs définitions. Mais voilà, peut-être que l'intelligence artificielle, elle est du côté du pouvoir, de l'efficacité, de la force d'action. Et que l'intelligence collective, elle est du côté de la puissance, donc de l'appropriation, de la capacité à faire par soi-même, être conscient de ses choix. Et je pense que, voilà, réussir, enfin, ou engager, en fait, hein, une transition, ne peut passer que par la puissance. Parce que, en fait, c'est en comprenant, enfin, c'est comme ça qu'on comprend les enjeux, et c'est comme ça qu'on peut éventuellement essayer de maîtriser précisément le pouvoir. Et donc, premier sujet sur la mobilisation étudiante, c'est un sujet sur lequel on pourrait passer sûrement 4 jours. Et puis plus généralement, même en tant que personnel, merci encore de votre implication. Il y a des bandes qui sont là depuis le début et à toutes les sessions et autant que possible, et c'est précieux pour nous. Mais comment on fait, de votre expérience, comment on fait pour maintenir ce souffle vital un peu, et entre les, aussi avec les renouvellements, enfin que voilà. Comment vous voyez ça? Est-ce qu'on commence par vous à Lausanne? Si vous avez en tout cas... si vous avez un... Oui. Notre contexte est un peu différent. Nous, notre assemblée avait un mandat donné par le rectorat d'environ une année. Donc, dès le début, la motivation, c'était de rendre un rapport à la fin de l'année et après avoir un retour de la direction, et l'assemblée était dissoute. Donc... on n'a pas cet enjeu du temps long qui dépasse les années. Par contre, sur la dizaine de sessions, ça représente environ 50 heures de travail, on a dû quand même garder la motivation. Il faut bien être au clair sur l'implication de la participation. Est-ce qu'on est sur de la consultation? Est-ce qu'on est sur de la coproduction? Mais que finalement, les règles du jeu soient très claires pour qu'il n'y ait pas une fausse promesse. Et on l'a très bien vu dans l'essoufflement aussi, ça peut être les questions de la Convention citoyenne pour le climat, qui est exactement comme ça, où on vient donner une promesse et puis à la fin, on n'a pas le résultat. Mais il y a des problèmes de motivation, forcément. La motivation, elle varie beaucoup selon les sujets abordés, parce qu'on a des thématiques qui peuvent être très différentes, selon le niveau d'études, parce qu'on est de la L1 au doctorat, selon la discipline étudiée. Mais quelque chose qui est vraiment important, en tout cas pour les étudiants, je pense, c'est de comprendre pourquoi on est là. Et donc, ça dépend du temps qu'on a avant même le lancement pour expliquer.
Maintenant, le discours de lancement, moi, que j'ai eu cette année, j'ai dit aux étudiants et aux étudiantes, si vous ne savez pas pourquoi vous êtes là et vous n'avez pas envie d'être là, bienvenue, ce dispositif est justement pour vous. C'est vous qu'on a envie d'entendre, pour une fois. Et on a besoin de vous entendre. Il faut aussi faire attention au risque d'instrumentalisation du dispositif. Nous, on a essayé d'être assez vigilants que personne puisse imposer un sujet. Il y a eu des fois des débats qui viennent de la direction ou d'une faculté en particulier qui dit « Ah, mais on va poser la question à l'Assemblée ». Puis ça, on n'a jamais entré là-dedans parce que ça a été toujours un peu une instrumentalisation ou une tentative de légitimer une décision alors que ce n'était pas la volonté de l'Assemblée. C'est vrai qu'il faut être bien vigilant sur l'honnêteté de la question, sur la portée de la question et éviter la recherche de l'assentiment ou la justification supplémentaire. Et ça, c'est peut-être c'est une vraie vigilance, à mon avis, que des présidents d'Assemblée doivent avoir. Il me semble que c'est aussi notre rôle avec Émilie. Et je pense qu'il faut ces deux temps. Donc ça veut dire qu'un dévoiement, c'est de dire « c'est trop difficile, je vais demander à des professionnels de la participation. Moi, en tant qu'université, je ne me sens pas compétente. Donc je vais aller demander à des consultants, je vais aller demander à des gens qui organisent ça pour des entreprises et qui font des choses qui, effectivement, dont l'objectif, c'est peut-être plus la communication, c'est peut-être plus le team building et c'est moins la transformation, à la fois des organisations, de la société, et puis des participants et des participantes. Donc le dévoiement aussi, c'est d'oublier la dimension politique de ce qu'on fait. Une fois qu'on a dit dispositif délibératif, en fait, on n'a pas résolu la question, on a commencé à comprendre qu'il y avait un problème. Et donc, il faut choisir de comment on organise les choses, dans quel ordre, avec combien d'étudiants, est-ce qu'on fait intervenir des personnes ressources tout de suite ou après, est-ce qu'on permet aux étudiants de d'abord construire leur légitimité, puis ensuite de rencontrer des gens qui ont des connaissances. Et alors, comment on fait ça? Et on leur donne des informations, mais quelles informations? Comment les choisir? Quel support? En fait, c'est un univers. On trouvait que c'était intéressant pour les étudiants de vivre cette expérience et qu'ils allaient non pas apprendre à devenir des citoyens parce qu'ils n'ont pas besoin forcément de la fac pour ça, mais que c'était une expérience formatrice. Et donc, c'est pour ça qu'on avait envie de viser plus les étudiants. Mais les uns les autres, dites. Hein. Le facilitateur, il est là pour organiser une réunion. Donc, que ce soit un étudiant... un professionnel du management ou autre chose, pour moi, il n'est pas du tout... J'ai pas besoin de lui. Oui, non, mais les facilitateurs ou les facilitatrices, pas de problème, mais dans l'organisation. Sur la liberté de la parole lors des réunions, si c'est un personnel, il risque d'y avoir un frein pour les étudiants qui seront... C'est pour ça qu'on s'était dit que les facilitateurs... seraient mieux d'être des étudiants plutôt que des personnels, parce qu'ils risquent, même si... On part du principe que tout le monde, il est là dans son rôle de facilitateur et non pas de personnel, mais ça risque de poser problème à certains dans le groupe, certains étudiants. Et peut-être pour d'autres conventions, on pourrait l'envisager, mais là, je trouvais ça intéressant de faire ça actuellement avec des étudiants et étudiantes. Et surtout qu'on avait vu la dernière fois, comme vous disiez, avec le frein que ça engendrait s'il y avait des membres du personnel ou des enseignants. Ça ne sera pas du tout le même type de délibération. Envisager donc des personnes de différentes générations, c'est important aussi pour avoir un peu une vision différente. Et donc ça signifie que vous voulez inclure aussi des enseignants aussi. Je trouve que c'est quand même une bonne idée. Mais oui. Enfin sinon moi je serais plutôt team que des étudiants parce que effectivement c'est dans le nom et c'est ouais ça peut être intéressant justement d'insister sur cette idée de je sais pas d'autogestion des étudiants. Alors après on pourra dire oui mais est-ce que c'est vraiment aux étudiants de bosser comme ça sur la transition enfin je sais pas il y a enfin, on le disait tout à l'heure et on l'a tous un peu dit, mais enfin, on est étudiant, mais enfin, c'est inclus dans l'université, donc c'est aussi le quotidien des enseignants, des gens de la bibliothèque, les gens des personnels techniques, je pense. Enfin, voilà. Ok. Et qui n'ont pas forcément les mêmes besoins, les mêmes demandes, les mêmes
Les mêmes tâches au quotidien, voilà. Ah oui, tu la verras pas du tout. On la voit pas du tout, du coup, c'est pas marrant. Bonjour. Bonjour à tous, merci d'être là à cette réunion aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui, on lance le projet d'accord, qui veut dire délibération sur l'alimentation à l'université et co-construction d'une offre responsable et durable. Donc voilà, c'est la première grosse réunion où on réunit tous les partenaires de ce projet, même si on a échangé plusieurs fois avec chacun des partenaires, mais finalement la première fois que tout le monde se rencontre vraiment. On parle de mini-public, c'est-à-dire qu'on va rassembler un microcosme, un petit groupe de personnes qui sont mises dans des situations qu'on peut dire contrefactuelles, c'est-à-dire qu'on s'imagine qu'on est dans des très très bonnes conditions de prise de décision démocratique. Donc les personnes sont informées, elles sont toutes égales, elles sont mises dans des très bonnes situations, elles ont le temps de s'informer, de réfléchir, de confronter leur point de vue et de décider ensemble. Donc de formuler des propositions de politique publique. Donc nous, on a voulu dès le départ vraiment intégrer, enfin peut-être que vous aussi, mais intégrer, disons, d'autres communautés que la communauté étudiante, vraiment dès le départ dans le processus de délibération. Donc bien sûr, tout est centré autour des propositions que vont faire les étudiants, mais on voudrait qu'il y ait des personnels universitaires, par exemple le service de santé étudiant, la direction de la vie étudiante, enfin la direction de la vie universitaire, voilà, ou d'autres services comme ça, qui participent vraiment à la vie étudiante locale, qu'il y ait des chercheurs experts des domaines en question, qui est des institutions comme le CROUS de Créteil, des collectivités territoriales et des associations, à la fois des associations étudiantes ou des associations du territoire. Ça nous a paru tout à fait naturel, quand on a été contacté par Alice Bélicha, qui nous a présenté le projet, de rejoindre l'aventure, que nos activités contribuent à un projet de recherche pour justement faire un travail scientifique là-dessus proposer en tout cas nous, à travers nos solutions, mais sur le travail de recherche, avoir un vrai diagnostic et derrière, sur la Convention citoyenne étudiante, l'objectif sur l'alimentation en tout cas, ça a quand même l'objectif d'éveiller, non seulement de sensibiliser, de rendre... C'est notre cœur de nos activités, mais être dans le participatif et écouter les étudiants, en tout cas sur les propositions, leurs ressentis, leurs contributions en tant qu'acteurs de l'université et pas juste usagers. On va essayer d'éviter tout ce qui est protéines animales, on va limiter. Et ouais, en termes de végétarien, on va essayer de plus appeler nos recettes végétariennes au niveau des salades, mais salades gourmandes. On va discuter de comment réduire la consommation énergétique de la Sorbonne Nouvelle, tout en sachant que faire ça, ça ne va pas régler le problème de la consommation énergétique à l'échelle de la France, du monde. Alors du coup, ça... Mais il y a peut-être des clés, des solutions qu'on va trouver ici avec nous, qu'on pourra appliquer dans notre environnement extérieur. C'est un super bon point de départ aussi, la question des ordres de grandeur. C'est-à-dire de dire, le monde, la France, notre université, et du coup de comprendre qu'est-ce qui pèse quoi. Ce que je trouve intéressant avec cette démarche de convention étudiante, c'est que ça peut être un peu la brique un peu manquante entre les deux. C'est-à-dire si c'est un outil de mobilisation collective et de prise de conscience collective qui va au-delà des individus. Et donc, du coup, je trouve que c'est intéressant dedans aussi, peut-être, d'avoir des moments de discussion sur, non pas à quoi ça sert tout ça, mais sur à quel point cette mobilisation collective, elle n'est pas uniquement le cadre de « on fait une convention qui va dire un certain nombre de choses », mais aussi derrière, comment ça se traduit concrètement dans la vie de cette université sur le plus long terme. En fait, la lutte pour l'environnement, il faudrait pas qu'elle appuie sur des inégalités, qu'elle crée encore plus d'inégalités. Donc il faudrait penser à l'inclusion, à l'accessibilité de tout ça, et aussi peut-être, si possible, avoir des discours divers
pour ne pas trouver des solutions qui conviennent à un certain groupe et pas à d'autres. Au fur et à mesure que des propositions émergent, ça peut être intéressant aussi d'avoir quasiment une capacité à tester ça ou à tester la manière dont sont formulées ces propositions et tout ça, pour pas non plus arriver avec un truc à la fin qui est trop décalé aussi avec les aspirations d'une partie de la communauté. J'imagine que c'est des choses auxquelles vous avez déjà pensé. Ouais, il y a une plateforme qui s'appelle Décidim et qui permet justement plein de choses, donc dont ça. Mais est-ce que c'est possible, par exemple, ok, peut-être c'est une mauvaise idée, mais de rendre ça obligatoire pour les profs, pour dire à tous les enseignants, bah en fait, vous devez prendre 5 minutes au début de votre cours, une fois par semaine, pour que les gens y répondent. C'est-à-dire, avec un peu l'obsession de dire... Obligatoire, c'est pas possible. Il faut... Enfin, pardon, réponse, mais... Non, mais c'est-à-dire, la question pour moi, c'est... Mais enfin, ce dont on parle depuis tout à l'heure sur, en fait, comment faire pour mieux communiquer là-dessus et tout ça marche que si, à un moment donné... Il y a aussi les gens qui n'en ont rien à foutre qui répondent. Il y a aussi les gens qui ne sont pas d'accord qui répondent. Il y a aussi les gens qui veulent manger de la viande matin, midi et soir qui répondent. Je pense justement que c'est bien qu'il n'y ait pas que des personnes comme moi qui soient déjà, qui aient déjà plein d'idées sur ce qui reste à faire. Et c'est pour ça qu'encore une fois, la diversité, c'était très important pour nous d'atteindre cette diversité pour avoir des propositions qui... fonctionne pour la majorité, quoi. Bah, c'est important pour que les autres étudiants considèrent que ce qui ressort de cette assemblée, enfin de cette convention, vient d'un public étudiant qui leur ressemble, ou en tout cas qui est capable de défendre leurs intérêts. Donc je pense que ce qu'il faut vraiment, c'est de la diversité. Nous, on a choisi trois critères sur lesquels s'appuyer, donc le genre, donc si possible autant d'hommes que de femmes, les campus, on a trois campus principaux, le niveau d'études et puis la discipline, enfin les composantes, quoi. Et donc si on a de la diversité, même si on ne peut jamais être entièrement représentatif, bah, c'est la meilleure façon possible, a priori, de défendre les intérêts ou de l'ensemble des étudiants. Je trouve ça vraiment important dans ce genre de dispositif de pouvoir échanger directement, s'écouter directement, parce que en fait, ça permet, au-delà de débattre et de délibérer, ça permet... De rencontrer davantage de personnes et aussi pouvoir s'intéresser à d'autres opinions que la sienne. Donc c'est vrai que je trouve que c'est vraiment pertinent et parce que c'est un dispositif, en fait, je pense qu'on parle de... Ça réunit, en fait, les personnes et on lutte en quelque sorte, je dirais, on lutte pour un sujet qui nous touche tous, et effectivement je pense que le pouvoir du collectif sur ce point-là est très important. Et quand je parle de collectif, c'est vrai que le présentiel aide beaucoup, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas parler, pour moi on ne peut pas réellement parler de collectif sur les forums ou juste comme ça, par-ci par-là en visio, parce que ce n'est pas la même cohésion. Et pour porter la voix, c'est important de la porter tous ensemble. Voilà, l'idée, c'est que 900 étudiantes et étudiants de l'université seront tirés au sort, puis contactés pour leur proposer de participer à la convention citoyenne étudiante. Le tirage au sort garantit que n'importe qui peut accéder à cette convention, y compris des étudiantes et étudiants habituellement éloignés de la vie politique universitaire, afin de constituer une convention représentant la diversité de la communauté étudiante Sorbonne par Paris Nord. Trois critères de représentativité ont été fixés par le comité de gouvernance. Parce que sur les critères de représentativité, il y a donc le genre, le niveau d'études, mais on n'a pas la... diversité des champs d'études, des enseignements, pour s'assurer que ce ne soit pas que des élèves en médecine et des masters du master de nutrition. Par exemple, je tire un peu par les cheveux, hein, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu à ce niveau-là? Mais après, c'est sûr que, voilà, comme l'idée, donc là, les 900 tirés au sort, en fait, on va faire par strat, donc on va faire par étape. Donc l'idée, c'est qu'en effet, si par exemple, on n'arrive pas à remplir, je ne sais pas, par exemple, massivement à Bobigny, et puis qu'on rajoute du tirage à Bobigny, et puis qu'en fait, à la fin, on se rend compte qu'en fait, c'est que les étudiants de la même formation, parce que tous les autres, ils ont décliné. Mm-hmm. C'est un risque. Donc, on peut rajouter des critères. Je pense qu'on avait décidé, on avait longuement débattu. Ce qui est dur, c'est que plus on rajoute de critères, plus c'est compliqué. On peut s'engager à être représentatif, c'est-à-dire de mettre vraiment un critère strict sur les 30, il faut qu'on soit représentatif.
genre, niveau d'études et campus d'appartenance. Et après, nous, on peut essayer d'intégrer d'autres critères type composants pour, au fil du tirage au sort, essayer de rééquilibrer, mais sans garantir une représentativité, parce que ça, je ne sais pas si on y arrivera. Donc peut-être qu'on peut faire ça. Et comme ça, on... Bon, après, je pense qu'on n'aura pas non plus les journalistes qui vont aller éplucher la proportion de chacune de nos composantes en disant « Vous avez dit que vous étiez représentatif par composante. » Et alors, moi, je te contredis tout de suite. Des journalistes, non, mais des collègues, oui. C'est vrai. J'avais oublié qu'on était une communauté universitaire de recherche. Je trouve que c'est vraiment génial, en fait, le fait de pouvoir transposer ce type de dispositif dans différentes universités, puisque toutes les universités n'ont pas les mêmes... ne sont pas entourés du même environnement politique, notamment, et aussi, ils n'accueillent pas les mêmes étudiants, ils n'ont pas les mêmes modalités, ils n'ont pas les mêmes moyens. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, en fait, de pouvoir transposer, de savoir, en fait, de voir que ce dispositif, ce genre de dispositif, en fait, peut être transposé, transposable aussi dans différents environnements. Donc, c'est vrai que moi, je trouve ça vraiment intéressant et c'est bien parce que j'ai l'impression que la parole étudiante aussi se libère en quelque sorte et on voit une sorte de renouveau en fait en tout cas une envie de renouveau dans les universités et je trouve ça vraiment génial. Bon, d'abord je trouve ça enthousiasmant enfin de voir que ça essaime à plusieurs endroits et probablement parce qu'il y a une envie aussi enfin j'imagine des personnels universitaires enfin moi je connais mieux les enseignants chercheurs donc c'est plus facile de parler pour eux pour moi mais des enseignants-chercheurs qui ont envie d'un mode de fonctionnement un peu différent. Que la Sorbonne Nouvelle aide comme ça tous ses usagers à acquérir plus de puissance, tel qu'on l'a défini, c'est-à-dire de conscience des mécanismes, d'une construction éthique, en fait, face à ces mécanismes, et une capacité d'agir. Et vraiment, si on arrive à faire ça, ouais, ce serait bien. Donc ces dispositifs permettent cette rencontre et ils permettent de, enfin, si ça se passe bien, ils permettent de vivre cette égalité et donc de chérir les différences qu'on a, les différences qu'il y a entre nous et en même temps de chérir le fait qu'on se comprend, qu'on peut parler ensemble, qu'on peut décider ensemble de choses extrêmement techniques et qu'on peut aussi faire des choix difficiles ensemble. Si ces dispositifs permettent ça et qu'on arrive à les déployer de manière finalement relativement peu coûteuse, notamment dans les universités, mais aussi ailleurs, bien sûr. Mais peut-être que la façon de voir le processus politique, l'engagement politique, la citoyenneté, la manière d'accepter en fait aussi les différences peut évoluer relativement massivement. Maintenant, ce sont des bulles contrefactuelles, ce sont des mini-publics. C'est pour ça qu'il faut essayer de les déployer, de les répéter autant qu'on le peut. Mais si on arrivait vraiment à le faire, pour l'instant, c'est encore, on est encore à la marge, mais peut-être qu'on arriverait à répondre à une partie des problèmes qui nous ont amenés à la situation actuelle.